Salut, zanmi mwen. Jodi ya nan numero 517 nan rubrik nou an, Ma Bible, Mon Trezor, nou pral reflechi ansanb sur latitude du troasyem serviteur de la parabole de talan. L'Evangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 14-20. Un metre partant pou un voyaj apela se troas serviteur. Au premier, il confia... O dezyem, il konfya 2 talen. O trozyem, il konfya 1 talen. Awek l'unik responsabilite de fè valwa se talen. Dan set parabol, le mètre konfya se biyen a se serviteur. Sa blè di, li te fè yo konfians. Li te deside investi nan kapasite yo genyen. Mètre la distribye talen yo selon talen. le kapasite de chakon. Daye, selon les unités de mounet, al époque, yon talent te égale a 60 min. 60 min te égale a 6 000 deniers. Et 6 000 deniers, c'est ça, on ouvrier te kapab gagne entre 20 à 25 ans de travail. D'où, le maître avait confié une très forte somme à chacun de ses serviteurs. L'attitude du troisième serviteur qui avait reçu un talent nous est décrite au verset 18. Il alla faire un coueux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Et au jour de la rétribution et en rapport à la gestion des biens confiés, serviteur a te répondu comme ça. Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Cette attitude était une très mauvaise attitude. C'était même la déception. Ce serviteur a gâché son talent. Il a gâché sa vie. Le premier grand problème, c'est qu'il avait une très mauvaise théologie ou philosophie de son maître. Malgré le maître était très généreux envers lui, mais il avait une très mauvaise conception de son maître. Et c'est peut-être ça, pas même obéi à l'ordre du maître de faire fructifier son talent. Il n'a manifesté aucun zèle, aucune promptitude pour obéir à l'ordre du maître. Ce troisième serviteur était stérile. Il n'était pas productif. Li pat prodwi anken fwi. Sa vle di, li pat prodwi la vi. Il na ryen tante, il na ryen fe. Il na deploye okun aucun efor, okun entelijans. Il na fe okun profi. Il na prodwi okun gen avèk le talan ki lui etè konfye. Sempleman, li fouye yon trou, li mette talan. Se troasyem serviteur etè an parousseu. Et lorsque le maître lui demanda de rendre des comptes de la gestion de son talent, nous, c'est un serviteur qui a la défensive. Et ça a dévoilé, nous, le fond de son âme. Ce serviteur détestait son maître. Il n'aimait pas son maître. Il n'écoutait pas la voix de son maître. Et ajouté à tout ceci, ce serviteur était également ignorant. Même qu'on est pour déposer l'argent, non, ben. Pour le au moins des intérêts. Et le maître, à son tour, en qualifiant ce troisième serviteur, lui parlait comme ça. Serviteur méchant, paresseux, inutile. Et en conséquence, il sera jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et aux mêmes amis, moi. Est-ce que vous êtes reconnaissant envers le maître pour les talents qu'il vous a confiés? pour le capital qu'il a investi dans votre vie, pour toutes les choses qu'il a mises à votre disposition. Est-ce que son serviteur méchant, paresseux, inutile, animé d'un mauvais aile dans le travail du maître, êtes-vous productif? Avez-vous une très bonne conception ou théologie de votre maître? Est-ce qu'on d'accord pour déployer et utiliser dons, talents, capacités, intelligence ou pour pas gaspiller les talents du maître. Pour pas gaspiller la vie Êtes-vous prêt à agir d'une façon que le maître soit glorifié dans tout ce que vous êtes et ce que vous faites? Tant pris en mi-moi. Faites tout ça dépend de vous-même selon la grâce de Dieu. Pour pas sembler à ce troisième serviteur de la parabole des talents. À bon entendeur. Salut.